Le 12 novembre 1970, un grand écrivain français qui va obtenir par deux fois le prix Goncourt suit le cortège funèbre du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Sur son uniforme de capitaine d'aviation, il porte la Légion d'honneur, la Croix de Compagnon de la Libération et la Croix de Guerre 39-45. Quel destin exceptionnel que celui de Roman Cassou, né dans une famille juive le 8 mai 1914 à Vilnius, ville alors polonaise de Lituanie, où l'antisémitisme règne. Son nom d'écrivain, Romain Gary. Romain Gary, arrivé en France en 1928, est passionné de littérature et obtient sa licence de droit à Paris. Naturalisé en 1935, il est appelé à faire son service militaire dans l'aviation. Le 20 juin 1940, il rejoint Alger par les airs pour fuir la France occupée. Il veut se battre. D'Algérie, à l'appel du général de Gaulle, il gagne Londres et s'engage dans les forces aériennes françaises libres. Après des missions au Moyen-Orient, il est affecté au groupe aviateur Lorraine. Blessé, le 25 janvier 1944, il réussit à ramener son avion en Angleterre. Le capitaine Romain Gary est de ceux qui ont tout abandonné pour lutter contre la barbarie et pour la liberté dans son pays d'adoption, la France.